Puis-je refuser le contact? Un contact ne devrait être refusé que lorsqu'il existe une très bonne raison. Un problème de sécurité ou de violence peut constituer une très bonne raison. Refuser le contact à un parent résultera probablement à un appel à la justice. Dans ce cas, le parent résident devra expliquer à la cour pourquoi le contact a été refusé. Si une injonction de la cour autorise déjà le contact, un refus sera un manque de respect à la cour et peut entraîner des poursuites judiciaires.